Traffic Devices. Nous sauvons des vies sur les autoroutes et sur les zones de travaux. Tous les jours, des vies sont sauvées grâce au système de sécurité pour autoroutes conçu et fabriqué par Traffic Devices. L'atténuateur embarqué Traffic Devices Scorpion pour camions a sauvé la vie de nombreux automobilistes et d'ouvriers d'autoroutes à travers le monde. Au Royaume-Uni, Traffic Devices a réussi toutes les épreuves du Crash Test Lorry 3-51.UK. En avril 2009, avec son atténuateur pour camion, Traffic Devices a été le premier fabricant à passer ce test. Traffic Devices est le leader mondial de la technologie d'atténuation d'impact qui a démontré sa capacité à sauver des vies sur les autoroutes et les zones de travaux. Par une belle journée ensoleillée dans le sud du Texas, un semi-remorque s'écrase contre un véhicule d'assistance muni de l'atténuateur embarqué Traffic Devices. À la vitesse excessive de 104 km/h, l'impact aurait pu provoquer un désastre fatal. Le conducteur du semi-remorque n'a souffert que de blessures sans gravité. Le conducteur du véhicule de service était indemne. Aucun cantonnier n'a été blessé. L'atténuateur Traffic Devices a sauvé de nombreuses vies ce jour-là. Même après les dommages extrêmes causés à la cartouche et aux entretoises de l'atténuateur, le résistant système hydraulique fonctionnait toujours, permettant à l'atténuateur Scorpion d'être levé, replié à 90 degrés et transporté vers l'aire de maintenance. Les dommages du véhicule de service étaient mineurs, l'atténuateur d'impact Scorpion a été facilement remplacé et le véhicule a repris son service. Les boîtes jaunes vives de l'atténuateur pour camion Traffic Devices contiennent des nids d'abeilles en aluminium. Les structures en tubes d'aluminium hautement renforcées sont conçues pour absorber complètement et de manière sécurisée la totalité de l'énergie cinétique d'un véhicule de 2 tonnes roulant à la vitesse de 100 km/h au moment de l'impact. Tandis que les tubes plient et que les boîtes s'écrasent en réaction à l'absorption de l'énergie et de la vitesse du véhicule, la vélocité de celui-ci est, sans risque, réduite à zéro à la fin de l'impact. Sur une autoroute de l'Illinois, le conducteur de ce 18 roues complètement chargé, roulant à la vitesse approximative de 112 km/h, s'endort au volant. Sa femme dormait dans le compartiment couchette. Avec un poids roulant d'à peu près 29,5 tonnes, il percute un véhicule du service de transport de l'Illinois équipé de l'atténuateur embarqué pour camion Scorpion avec sa flèche de déviation entière. Le semi-remorque n'a pas freiné. Quoique le conducteur et sa femme aient été brutalement réveillés, ils sont sortis indemnes de l'accident. Les dégâts sur le semi-remorque étaient énormes. L'atténuateur embarqué pour camion Scorpion a fait son travail en absorbant la force incroyable de l'impact. Le conducteur du véhicule de service a juste eu une égratignure sur le front. L'intégrité de la zone de travaux a été protégée par l'atténuateur pour camion Scorpion. Il n'y a eu aucun blessé sur la zone de travaux. Le jour suivant, le conducteur de semi s'est rendu à la direction des transports pour remplir une déclaration de sinistre et remercier le directeur du secteur. Aussi bien le conducteur du camion que sa femme ont eu la vie sauve grâce à l'atténuateur pour camion embarqué. Traffic Devices investit des millions de dollars en développement et en test de ses produits de sécurité routière. Tous les produits fabriqués par Traffic Devices subissent des crash tests pour vérifier leur efficacité face à l'impact avec l'objectif constant d'augmenter la possibilité de survie lors d'un accident. Au moyen de fines analyses des données de crash test, de l'utilisation de films à grande vitesse, nos systèmes pour autoroutes sont affinés et perfectionnés pour satisfaire ou surpasser les exigences fédérales de sécurité. Sur une autoroute très fréquentée de l'Illinois, un véhicule de taille moyenne percute à une vitesse estimée de 72 km/h, un véhicule de régulation du trafic équipé d'un atténuateur pour camion Scorpion. Ce qui aurait pu être un accident fatal a été évité avec quelques blessures sans gravité pour le conducteur. Comme vous pouvez le constater, la voiture a été détruite.
Grâce à la conception modulaire des Scorpions, les réparations ont été rapidement exécutées sur l'aire de maintenance avec des pièces de rechange. Le conducteur de la voiture n'a rien eu, reconnaissant de s'en être sorti vivant. À Malmö, en Suède, le pont Öresund est un passage très important qui relie deux pays, le Danemark et la Suède. Le trafic était dévié sur la gauche par un panneau fléché monté sur un camion. Mais le bus n'a pas pu manœuvrer à temps et a percuté le Scorpion sur la droite, à une vitesse estimée de 70 km/h et un poids d'à peu près 27 tonnes. La conception unique de l'atténuateur d'impact Scorpion a, sans risque, ralenti et redirigé le bus hors de la zone de travaux. Contrairement aux atténuateurs concurrents, qui ne sont pas faits pour dévier après l'impact. Tous les passagers du bus ainsi que les ouvriers du chantier de construction étaient indemnes. Une tragédie a été évitée par l'emploi de l'atténuateur embarqué pour camion Scorpion de Traffic Devices sur un axe important reliant deux pays. En Indiana, une Ford 350 roulant à plus de 120 km/h, tractant une remorque de 7 tonnes, a percuté un atténuateur Scorpion remorqué. Le choc fatal à vitesse maximale indiquait que le conducteur ne s'était que peu ou pas du tout douté du danger avant que cela arrive. Les dégâts sur le véhicule de service ont été sans importance, le conducteur a survécu à l'accident et la zone de travaux a été protégée. Un camion Ben de l'État de l'Illinois a été percuté par une voiture roulant à 120 km/h. Sans l'atténuateur d'impact embarqué pour camion Scorpion, un décès aurait certainement eu lieu. Le camion Ben a eu de légers dégâts cosmétiques et était de nouveau en service le lendemain. Le chauffeur de la voiture a survécu à l'accident. Chaque collision sans décès sauve non seulement la vie du conducteur, mais également celle des employés du véhicule de service et celle des autres automobilistes. Dans bien des cas, les assurances rembourseront les coûts de systèmes épargnant des vies, comme l'atténuateur d'impact embarqué pour camion Scorpion. Se dirigeant vers l'Interstate 5, un automobiliste de l'Oregon tenta de sortir de l'autoroute et soudainement changea d'avis. Sa Prius de taille moyenne, pesant 1 tonne 2, percuta l'arrière d'un camion de service équipé de l'atténuateur d'impact Scorpion, protégeant la zone de travaux. La voiture roulait à environ 80 km/h. Il se serait agi d'un accident mortel si la voiture avait percuté l'arrière d'un véhicule de service sans atténuateur. Le camion de service n'a eu aucun dommage dans l'habitacle. Seule la cartouche de l'atténuateur pour camion embarqué Scorpion a dû être remplacée. Les vérins ont levé et replié la cartouche ainsi que les tubes percutés et endommagés sur le camion de service. Ces composants ont été remplacés sur l'aire de maintenance. Les passagers de la Prius ont survécu à l'accident sans être blessés. Le camionneur et l'équipe du chantier ont été protégés une fois de plus. À Singapour, une voiture de 1 tonne 2 percute un atténuateur Scorpion embarqué pour camion à 50 km/h. Le conducteur et ses passagers ont survécu. Après l'accident, notez à quel point le Scorpion endommagé est facilement replié sur le camion. Le fiable système hydraulique résistant aux impacts rend facile l'enlèvement de l'unité endommagée hors de l'autoroute et son retour sur l'aire de maintenance. En Nouvelle-Zélande, un Scorpion modèle TL2 est percuté sur le côté par une voiture moyenne à 65 km/h. La capacité exceptionnelle des Scorpions à rediriger après impact a protégé l'équipe de chantier dans la zone de travaux. Le conducteur de la voiture n'a souffert que de blessures légères. En Oregon, un semi-remorque chargé à bloc percute un véhicule de service à 112 km/h. L'angle de l'impact aurait pu être fatal au conducteur, à l'équipe du chantier et aux autres usagers. Les tubes hautement renforcés ont sans problème dévié la collision, évitant la citerne du camion de service et la zone de travaux. Ni le conducteur du semi, ni le conducteur du véhicule de service ainsi que l'équipe de travaux n'ont été blessés. L'atténuateur de camion embarqué Scorpion, avec ses vérins toujours intacts et opérationnels, a été replié sur le camion de service et ramené à la zone de maintenance pour réparation et remis en service le jour suivant.
L'atténuateur d'impact Scorpion a sauvé des vies d'automobilistes et de cantonniers sur les autoroutes du monde entier. Chaque atténuateur embarqué pour camion Scorpion a la capacité de sauver de nombreuses vies. C'est un petit prix à payer pour protéger la vie des conducteurs et celle des équipes de chantier sur autoroute. Depuis plus de deux décennies, Trafix Devices a été leader de ce secteur avec des conceptions innovantes pour protéger la vie d'automobilistes et de cantonniers sur les autoroutes à travers le monde. L'atténuateur embarqué pour camion Scorpion sauve des vies 24 heures sur 24, 365 jours par an.